Bonjour les filles, aujourd'hui on va tricoter ce bandeau qui est très très simple. On aura besoin du fil, du fil qui vous reste. Moi j'ai une petite pelote qui me reste comme ça, je sais pas quoi en faire. Donc j'ai décidé de faire un petit bandeau de tête, donc un headband pour femmes, tout simple parce qu'on m'avait demandé un simple. Donc je vais faire un bandeau simple. Donc c'est un fil qui est assez épais, enfin c'est pas vraiment un fil, c'est quelque chose qui y ressemble. Vous avez une base en fil et puis le reste c'est des petites peluches comme ça. Vous allez également avoir besoin d'un autre fil. J'ai pris le fil d'art hein, qui est blanc, donc les nuances de blanc vous rencontrez dans l'autre fil. Donc ça va bien aller ensemble. J'en aurai besoin de trois pelotes pour tricoter un trois fils tout simplement. On va pas utiliser beaucoup de fils, mais il en faut trois pelotes pour tricoter un trois fils. Voilà, donc je vais prendre ceci, c'est assez épais, avec des aiguilles numéro 7. J'ai des aiguilles circulaires, mais on va tricoter en fait sur deux aiguilles. On va pas tricoter tout le tour. Donc sur deux aiguilles, ce sera plus simple pour tout le monde. Un crochet pour les finitions, un contrant, un ciseau et une aiguille à coudre à le tricot. C'est un fil qui se tricote pas très facilement parce qu'il est... On n'y voit pas grand-chose quand on tricote, donc je vais faire un motif très très simple qui est motif point mousse. Puisque de toute façon, vous n'allez rien voir sur ce fil qui est déjà assez voyant comme ça. Donc on va monter 10 mailles. Voilà, dans ce cas, je vous propose de garder le fil qui reste pour la couture ensuite. Donc, on retire une aiguille et on commence par tricoter un point mousse. Donc, c'est-à-dire toutes les mailles sont à l'endroit. Voilà, c'est ça le headband qui est assez facile. Parce que voilà, avec ce fil, je ne peux pas trop choisir de motif. Ça ne se verra pas du tout. Vous voyez déjà que c'est assez compliqué à le manier. La dernière, comme d'habitude, je la fais à l'envers. Ce serait plus joli sur le côté si on verra quelque chose. Voilà, le deuxième rang. C'est pour vous dire à la fin combien de rangs j'en ai fait. Moi, je fais un bandeau pour un tour de tête de 55 à 56, voire 57 cm, pas plus. Voilà, seulement deux rangs et vous pouvez déjà voir comment c'est épais. Voilà, donc vous continuez ainsi jusqu'à ce que vous obtiendrez la longueur désirée. Et puis, on se retrouve après pour... les finitions. Ah, et pour les débutantes, pour vous dire, point mousse, c'est toujours les mains à l'endroit. Quel que soit le côté, endroit ou envers, vous tricotez toujours les mains à l'endroit. Et quand vous arrivez presque au bout et vous n'avez pas assez de fil, je vous conseille de rajouter un autre fil. J'ai du fil d'art, donc je vais prendre trois pelotes de suite, enfin en même temps, pour avoir à peu près la même épaisseur que le fil que j'avais déjà utilisé. Donc voilà, en fait, vous assemblez les trois fils et vous tricotez avec ces trois fils. On va tout simplement les accrocher avec le fil qui est terminé. Voilà, et on continue. Toujours en point mousse. Voilà, on retrouve à peu près la même épaisseur, hein, donc ça va. C'est pas gênant. À peu près la même couleur. On rencontre des nuances de blanc. Je suis déjà au 52e rang. On verra jusqu'à où je vais y aller. Voilà, on continue ainsi de suite. On se retrouve après. Voilà pourquoi je tricote une dernière maille à l'envers. Vous pouvez bien voir qu'ici on a une jolie tresse. Voilà. Ça vous donne un effet terminé. Donc maintenant, j'ai tricoté en tout 70 rangs. Donc c'est-à-dire avec cette pelote là et puis un peu avec la pelote blanche. Si vous voulez que je vous dise combien de rangs ça m'a fait avec une pelote de couleur blanche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 rangs. Donc maintenant je vais terminer mes mailles, enfin je vais rabattre les mailles, tout simplement comme ceci. Donc je tricote une maille et celle tricotée d'avant, je la positionne sur celle tricotée après. Ainsi de suite, une maille à l'endroit,
une main est posée dessus la première, une main à l'endroit, seconde posée dessus la première. Comme ça on rabat les mailles et on va assembler les deux côtés. Je vais vous montrer comment on peut faire avec un bandeau aussi simple, quelque chose d'original. C'est évidemment, ça concerne les débutants. Donc la dernière maille toujours à l'envers. Hop, et on termine. C'est là qu'on aura besoin de notre crochet. Je refais une maille vide et maintenant je coupe le fil. Je coupe pas trop long parce que ça me sert à rien. Je tire. Voilà, maintenant on va cacher les fils qui dépassent. Donc maintenant, comme je vous ai dit, on va faire quelque chose d'assez original avec un bandeau tout simple. Ben, comme on passe à l'assemblage, on va tout simplement... Donc pour assembler, il faut qu'on vienne là et on assemble avec le fil qu'on a laissé de côté. Mais avant cela, on va faire ceci. On va tourner tout simplement le bandeau. Donc là, vous voyez un petit peu que c'est l'envers. Donc on va le tourner de ce sens-là plutôt pour cacher un petit peu ce trait. Donc vous faites ceci. Et comme ça, vous obtenez cette jolie finition qui est un peu originale. Voilà, et puis ensuite on va assembler, comme ça vous allez avoir un petit on dirait nœud papillon. Vous pouvez tourner deux fois même si vous voulez, mais je pense qu'une seule fois ça suffit largement. Comme ça vous cachez en fait ce qui est pas très joli à l'intérieur et vous cousez ici. Donc on prend notre aiguille qu'on a laissée de côté. Et on coud avec le fil laissé également. Donc tout simplement en assemblant ces deux côtés là, on va chercher les mailles et on va coudre tout ça. Voilà, on fait un nœud et c'est terminé. Maintenant, vous prenez votre crochet et cachez le fil qui dépasse. Voilà, donc le bandeau est fait. Je trouve ça très joli. Si vous voulez, après, vous pouvez le fixer ici ou faire un autre petit bandeau qui vient couvrir tout ça. Sinon, vous pouvez laisser comme ça. Moi, je trouve que c'est assez joli comme ça. C'est sympa. Surtout pour une débutante, je pense que c'est assez facile à réaliser. Et puis, quand vous avez des bouts de fil, n'hésitez pas à en faire quelque chose de joli avec ces bouts de fil. Merci à toutes et à tous de votre attention. Je vous laisse avec les images de ce joli bandeau porté. Et je vous dis à très très bientôt. Gros bisous, ciao !